Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment, et oui, je me suis pris quelques petits jours, j'ai fêté mon anniversaire, etc. Donc voilà, nous sommes de retour. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont fêté mon anniversaire. Merci énormément. Et aujourd'hui, on est parti pour les quarts de finale face à l'Atlético Madrid. Alors je vous le dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à FIFA. Entre-temps, j'ai également touché un petit peu à d'autres jeux. J'ai pas mal joué au nouveau Battlefield. Donc autant vous dire, FIFA, ces derniers jours, j'y ai pas trop touché. Donc j'espère qu'on va vite faire des bons matchs, quoi, tout simplement. Du coup, les quarts de finale, aller face à l'Atlético Madrid. Ensuite, on n'aura que 2 jours de repos. Match du championnat, 2 jours de repos. Match de Champions League, donc à nous de faire un gros match au classement. Et ben on a foiré puisque on s'est pris une tannée, hein, on s'est pris une tannée face au Barça, donc ouais, ça s'annonce compliqué, hein. On a intérêt vraiment d'aller en finale de Champions League, hein, je pense, hein, parce que si on rapporte juste un trophée cette saison, ouais, je serais un peu déçu quand même, je serais un peu déçu. Du coup, let's go, on est un petit peu fatigué, ça aussi ça m'arrange pas. Je le répète, hein, l'Atlético Madrid qui est vraiment notre bête noire en championnat. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas en Champions League, quoi, tout simplement. On va voir. D'ailleurs, dans les prochains jours, je devrais vous faire une vidéo de comment on fait pour mettre son ancien joueur en carrière, dans sa carrière. Donc, enfin, en gros, vous importez pas, vous devez le refaire. Mais pour ceux que ça intéresse, qui ne savent pas comment faire, je vous ressortirai de nouveau une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo auparavant. Mais je vais en refaire une, et j'en referai une également avec comment mettre une légende aussi dans sa carrière, parce que je crois qu'on peut le faire également sur ce FIFA là. Félix est titulaire. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Black évidemment dans les cages, et Benzema bien sûr avec le brassard de capitaine. Allez, let's go, c'est parti. Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver un petit peu FIFA. Il y a eu une mise à jour aussi, hein. Il y a eu des mises à jour, donc j'ai pas trop lu en vrai ce qui a changé. J'espère qu'ils n'ont pas changé encore énormément de choses au niveau du gameplay, parce que... Ok. Oh! C'est vrai qu'on s'était quitté sur des matchs vraiment incroyable, hein, avec... Ouf. C'est vrai que le dernier épisode était vraiment incroyable quand même. Il était vraiment incroyable en termes d'action. Petite récupération pour l'instant. Voilà, la petite percée. Oh, c'est magnifique, ça va au bout, faut frapper. Il faut cadrer aussi. C'est un match qui a l'air d'avoir du rythme comme face au Betis. Sauf que là, ça s'annonce quand même un peu plus dangereux vu. Oh là là, mais. Oh, c'est dommage. Les actions sont tellement fluides au niveau des passes. Il y a un truc qui a changé. Hein. Il y a un truc qui a changé depuis le match contre le Betis. En termes de mouvement, de remontée de balle, c'est juste incroyable. Bon, malheureusement, ça ne nous permet pas d'être premier, mais... on va essayer quand même de remporter des matchs. Ah, dommage, j'ai peut-être fait un contrôle en trop. J'ai voulu contrôler puis frapper, mais... En force de pousser, ça va bien finir. C'est vrai que j'ai pas encore frappé de loin. En tout cas, pour l'instant, sur le côté gauche, ça passe pas, hein. Allez. Un bon petit centre. C'est trop sur Oblak. C'est la mi-temps, franchement. Putain, dommage qu'on n'ait pas marqué là, parce que en termes d'occasion, on était pas mal quand même. On était pas mal, mais on n'y arrive pas. Hein. Le Paris Saint-Germain qui fait 1-1 pour l'instant contre Chelsea. On est bien, on est bien.
Si on encaisse un but, franchement, je serais dégoûté. Ça commence quand même aussi à bien enchaîner du côté de l'Atlético, mais voilà, ils peuvent se faire vite prendre. Ah ouais, par contre, faut pas se précipiter, Karim. Aïe aïe aïe. Oh là là, putain. Ah ouais, mais non, 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 non. Par contre, va falloir serrer un petit peu la ligne, hein. On n'entend pas la deuxième période comme la première. Il faut qu'on mette ce petit but là. Oh non, il a oublié le ballon. Oh putain. Allez, 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 allez. Les corners, je suis en défense. Quatre-vingt-septième minute. Oh, dommage. Allez. De loin qui passe pas. Il siffle quoi? Oh, il y a une petite main. Il y a une petite main. 89e minute. Je fais comme le supporter. On peut prier. On peut espérer. En face, c'est au black. Ça va pas être évident. Mais pour le scénario du match, Rodrigo qui va s'occuper de ce coup franc qui peut nous faire rêver. Ou pas. Ah, c'est dommage. Là, le problème, c'est que malheureusement, en championnat, on a besoin des 3 points. Donc, je ne vais pas pouvoir trop, trop souffler. Il va falloir jouer vraiment les matchs pour essayer d'avoir les 3 points. Et ensuite, derrière, également enchaîner 90 minutes parce qu'il faut qu'on gagne en Champions League, quoi. On a eu plus de 10 tirs. Ils ont eu 4 tirs, l'Atlético Madrid, il me semble. Il y a eu 2-2 entre le Chelsea et le Paris Saint-Germain, il me semble. Et du coup, on n'a pas réussi un seul objectif. Et on est sur le banc. Oh putain, je joue pas le match. Il me fait même pas rentrer dans le match. Non, c'est une blague. Oh, je suis dégoûté. Oh, j'espère qu'ils vont gagner. Les 20T, normalement, ça devrait... Oh non, c'est pas possible. Ils ont même pas encore joué. Ils ont toujours une seule défaite. Et en plus, ils jouent des clubs en bas du classement. Ah oh ouais, putain, il joue contre le 19ème, le Barça. Ah bah le titre, c'est mort. Hein. Clairement, le titre, c'est mort. Hein. Les entraînements, hop. Normalement, on devrait retrouver notre place. Eh bah non, on n'est même pas... Oh putain, c'est terrible. C'est terrible, on retrouve même pas notre place de titulaire. On remplace Karim Benzema, on joue attaquant. On joue attaquant. Ok. On a marqué, donc déjà on revient à 1-1. Ok. 60e minute, on rentre. Faut sauver le match. Faut mettre un petit but et on sera bon. Hein. Oh, ça fait chier le match nul en championnat. De l'Atlético Madrid qui m'a l'air d'être un peu mieux placé que lors du match. Allez, et ouais, putain, mais les passes en profondeur, ça ne passe absolument pas. Hein. J'ai beau avoir bien amélioré mes passes, c'est dans ce FIFA-là, c'est vraiment... S'il y a très peu d'espace, ça passe vraiment, vraiment pas. Allez. Ok.
Ok, allez Lorenzo. La puissance, la vitesse, la vitesse, la frappe. Let's go. Et je suis même pas à fond en plus, il me semble en vitesse. Hein. En vitesse, je suis même pas à fond encore. Donc on peut vraiment avoir un joueur rapide. Et ben voilà. On va jouer le temps, on va jouer le temps, on va pas trop s'enflammer. Mais par contre, il faut vraiment arrêter. Ok, j'ai rien dit, c'est passé. Ouais, faut vraiment qu'on soit un plus précis sur les passes, hein, par contre. Hein. Félix qui redescend vraiment très très bas pour le coup. Oh, mes passes, elles passent pas comme par hasard. Comme par hasard. Il rate ça. Il rate vraiment là. On va se le prendre. On va se le prendre. C'était bien joué. Heureusement qu'il la frappe pas avec le pied droit. Faut que j'arrive à partir là-bas. Oh non! Non, là, je suis vraiment pas bon dans la conservation du ballon. Je suis vraiment nul à chier pour le coup. On va rentrer dans le temps additionnel. Bien joué. Faut dégager le ballon. Let's go. Victoire 2-0. On continue en Champions League. Maintenant, contre qui? On va voir un petit peu les résultats. Là, je crois que c'était quoi? Le Paris Saint-Germain qui jouait. Et le Paris Saint-Germain qui perd 2-1. Et je vais jamais affronter le Paris Saint-Germain en Champions League. J'arrive pas à jouer contre eux en Champions League. Et encore une fois, bah, ils sont éliminés. Ok, on a réussi deux objectifs. Bon, on retrouve notre place de titulaire. Bon, malheureusement, là pour le coup. Oh putain, on affronte le Barça en demi-finale. Oh, j'aurais préféré jouer quelqu'un d'autre, mais bon. Là, je peux prendre ma revanche sur le championnat parce qu'il reste pas mal de matchs de championnat en vrai. Hein, donc il y a peut-être moyen. Hein, mais ils ont 10 points d'avance. Ils ont 10 points d'avance. On est à 100%. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Faut qu'on reprenne cette deuxième place. Allez. Oh, attention. Oh, attention. Bien joué. Allez. On voit le classement du coup. Le Barça, ils ont fait vraiment la saison parfaite. Hein. Ils ont vraiment fait la saison parfaite et grâce un petit peu à Memphis. Hein. Ouais, je pense que si on perd ce match, hein, je pense que c'est cuit hein, pour le championnat en vrai. Leur jeu. Non. Allez, Karim. Frappe, frappe, frappe. Appel au. Non, ouais, appel au deuxième poteau en vrai. On va tenter. Hein. On va tenter. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Oh! Bah, ça a failli faire but. Hein. Je peux pas être trop utiliser mon déplacement automatique parce que je crois que mon joueur il a pas assez de vista. Souvent j'utilisais pas mal le déplacement automatique mais du coup comme j'ai pas beaucoup amélioré dans le vista, si je peux pas utiliser le déplacement automatique parce que sinon il va mal se placer. On est reparti, seconde période. Oh! C'était bien trouvé ça. Benzema. Oh. Contrôle. Frappe. Oh dommage. Hop, cette fois-ci, on va faire un petit appel au premier poteau. Oula, oula. Cafouillage.
crois qu'on veut trop essayer de marquer sur les contres, mais après on a l'espace. Oh. Dommage, dommage. Là, c'est, par contre, c'était pas mal. Oh, dommage, dommage. Sur les corners, on est bien, mais ça cadre pas. Ça aussi, ça m'énerve. Tu veux faire la passe à l'opposé et t'as l'attaquant qui passe devant. Et voilà. Oh, cette passe. Cette passe est incroyable. Cette passe, elle est incroyable, regardez-moi ça. Oh, l'appel est, l'appel est incroyable aussi. Pff. On sauve l'honneur. Il reste du temps. Hein. Ouais, il va pas rester énormément de temps, mais bon, on repart avec un petit point. Oh non, mauvais choix. Bon. Bah, c'est un petit point pris, mais c'est vraiment un match dégueulasse. Hein. 15 tirs. Putain, 15 tirs. Ah, ils ont perdu. Hein. Deux défaites. Donc, ils ont perdu. L'Atlético Madrid qui repasse devant nous. 33e journée. Le Barça qui a repris de nouveau 3 points. Il reste 18 points à prendre, en gros. Si les calculs sont bons. Quelque chose comme ça. On s'arrête ici. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, évidemment. Et puis bah, nous, on se donne rendez-vous du coup très très vite pour la suite de cette fin de saison qui s'annonce vraiment compliquée pour le coup. On a Séville en championnat, le Barça en Champions League. On verra bien ce que cela va donner. Je vous dis à très très vite. N'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner. À très vite. Ciao.